Nous allons examiner comment fonctionne l'importation sous forme de livre, le document ici qui est à l'écran, un document Google Doc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments présents dans le document. Donc, une tâche très difficile à exporter pièce par pièce. Donc, ce que je vais faire, en fait, ce que j'ai déjà fait, j'ai téléchargé ici sous le format EPUB le document. Donc, on l'aperçoit ici dans ma barre ici de téléchargement. La deuxième étape consiste à installer un plugin dans Moodle qui porte le nom Lucimo EPUB Import. C'est un plugin, je dois le dire, qui est un peu obsolète parce que nous sommes à la version 3.9, puis ça c'est pour 3.4. Je viens de le tester sur 3.9, ça fonctionne. Donc, ça nous permet d'exporter le EPUB, puis ensuite de l'importer dans Moodle. Donc, c'est ce qu'on va regarder là, comment faire ça. Donc, on aperçoit ici dans Moodle la présence du plugin, qui est ici, qui date de 2018. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon cours et je vais créer une activité de type livre. Ici. Je vais devoir importer mon EPUB. C'est là qu'est ici un petit peu plus difficile de trouver le EPUB. Je dois ajouter le bloc administration de mon panneau. Je vais y retourner. Donc là, j'ai l'administration du cours. Donc je reviens. J'ai mis mon panneau. C'est beau. Donc je vais revenir ajouter. Probablement ma séquence est inverse présentement. C'est ce qui me donne des tracas. OK. Test. Je vais enregistrer et afficher. Ah, OK. Administration. OK. Donc là, je suis vraiment dans la création, dans le fond, des chapitres de mon activité livre. C'est pour ça que maintenant, mon panneau administration, là, il tient compte du contexte, donc ici, l'administration du livre. Et c'est à cette étape-ci. Idéalement, ce document-là qu'on aperçoit, moi je le découperais. Par exemple, le chapitre 1, chapitre 2, ainsi de suite. Là, je vais l'intégrer dans un seul bloc. Donc, dans Moodle, je vais dire importer comme un livre et non comme un chapitre. Et je m'attends ici, comme ça, en glissant, en déposant le EPUB, à obtenir un seul chapitre, dans le fond, un livre complet. Importation. J'ai le livre ici qui s'appelle Copie de Scratch qui tombe ici en dessous. Donc, ici, comme on l'aperçoit, la table des matières, on n'a pas de chapitre, là. On l'a importé comme un livre complet. Puis, si on s'intéresse aux images, parce qu'on veut s'assurer que ces images-là sont bien dans Moodle, je vois ici le nom de mon serveur, donc. Le livre et les images font partie de mon cours.